Christophe, bonjour. Bonjour. Tu viens de terminer ton plat ? Ouais, je suis terminé mon plat, je suis super content, ça s'est bien passé. Et en fait, l'histoire du plat, ce plat, il me suit depuis très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai fait vraiment la dernière version de mon plat avec de la carotte, de la citronnelle, un sirop d'érable, un peu de yuzu et un travail sur les sels, deux sels fumés, un Allen Moon et une fleur de sel fumée, avec une carotte crue et une purée de carotte à la citronnelle. J'aime beaucoup ce plat, c'est un plat qui est vraiment au long cours dans ma cuisine, qui chaque année existe, chaque année je le revisite, chaque année je le travaille différemment. Il est né il y a une dizaine d'années suite à mon parcours au crayon quand j'ai travaillé avec Eric Fréchon, qui faisait un plat qui avait rien à voir avec ça, mais dans l'idée il y avait du pain de mie très épais sur du bar et qui permettait de rendre le poisson très croustillant. Donc je me suis inspiré de ça, j'ai affiné le pain et j'ai vraiment amalgamé la peau et le fera pour que vraiment ça soit homogène et cohérent et qu'on puisse manger la peau du poisson, ce qui est super important pour moi. La créativité, elle s'exprime par rapport à ce que tu es, ce que tu n'es pas, par rapport à l'envie que tu mets dans tes plats, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu es capable de faire dans ton travail. La créativité, c'est pas simplement de faire un truc qui mousse ou qui pète. La créativité, c'est ce qu'on est capable de faire et comment on se met dans des dispositions pour faire des plats qui nous ressemblent. Merci.